Ok, ok, elle arrive, elle arrive. Ok, 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 ok. Let's go Flanou, let's go Flanou, let's go Flanou. Coucou tout le monde, c'est Flanou, de retour sur notre survie FNAF, comme tous les vendredis à partir de 16h45. Oui, donc si t'es pas encore abonné, bah pense à le faire et active la cloche. Allez, c'est parti, aujourd'hui on va faire spawn un nouvel animatronique. Let's go. Alors, à la dernière vidéo, je vous ai demandé dans les commentaires de me proposer un nouvel animatronique à faire spawn. Sachant que dimanche dernier, j'étais en live sur YouTube et j'ai avancé un petit peu puisque j'ai fait la maison de Nightmare Puppet. Regardez. Donc on va commencer par vous faire visiter la maison. Ensuite, on tirera au sort parmi les plus proposés dans les commentaires de la précédente vidéo un nouvel animatronique à mettre dans ma série pour la maison de Nightmare Puppet. Du coup, je suis partie sur le pattern qu'il a en fait sur ses bras. Je sais pas si vous voyez bien, mais regardez. Ça fait blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, deux blancs, et après c'est du noir. Du coup, j'ai fait sa maison exactement comme ça. Moi, je l'adore, franchement, je trouve que c'est une des meilleures maisons. Ici, vous avez la sonnette. Voilà. Ensuite, ici, on entre. Bonjour! Comment ça va? Nous avons son petit lit avec un cadre qui le représente ou la représente, je sais jamais si c'est des esprits de garçon ou de fille, enfin bref. La petite peluche. Ici nous avons la cuisinière, regardez le four, il a même une hotte. Moi je l'ai même pas chez moi donc trop bien lui. Et toute la décoration en fait on l'a fait sur le thème noir et blanc pour aller parfaitement avec la puppette. Il y a juste quelques petits éléments qui sont de couleur. Par exemple ici la planche pour couper le pain. Et ensuite, à l'étage, on a une photo de moi, voilà, oui, pour qu'il m'aime bien la puppette. Ensuite, nous avons, regardez, tout plein de photos de la Nightmare Puppet. Franchement, elle fait super peur, hein. Elle est quand même assez flippante, celle-là, hein. Ils l'ont bien faite dans Minecraft. Et surtout, pour l'étage, en fait, j'ai utilisé du verre, parce que je trouve que c'est beaucoup mieux, ça fait transparent et tout, et c'est super sympa. Et aussi, regardez, elle a une baignoire. C'est trop bien, non? Pour se laver et tout, trop bien. Donc voilà, pour la maison de Nightmare Puppet. Si vous voulez voir comment je l'ai construite, décorée, etc., n'hésitez pas à aller voir la rediff du live, elle est sur la chaîne. Oui, dites-moi dans les commentaires une note sur 10 pour la maison de Nightmare Puppet. En tout cas, c'est une de mes préférées, je trouve qu'elle est même mieux faite que la maison de Puppet. Autrement, dimanche, on a accroché en fait chez chaque animatronique des photos d'eux-mêmes, donc ça c'est chez Puppet. À la rigueur, au lieu d'aller chez eux, je vais vous le montrer aux caméras, ce serait beaucoup plus simple. C'est parti. Donc la maison de Chica. Voilà la photo qu'on a accrochée. Franchement j'adore. La maison de Foxy. Dum 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 dum. Oui oui. Oui 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 Foxy oui. Ouais. On a compris. Voilà donc la photo que j'ai mise. Ensuite la maison de Freddy. Franchement il fait trop peur le Freddy là sur la photo je trouve. Il fait beaucoup plus peur que l'animatronique mais ouais. Salut Freddy. Ah 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 oui, bonjour Freddy, on parle de toi. Mais ta photo elle fait plus peur. Ensuite, nous avons Funtime Freddy. Je trouve qu'elle est trop belle la photo, en plus je l'ai mis avec Bonbonne, c'est trop mignon, j'adore. Circus Baby, alors chez Circus Baby, j'ai mis aussi une photo de Ballora avec ses mini Rina. Oui. Bon, elle parle beaucoup, hein. Music was always coming from somewhere else. Down a hall. I would always count the children. I'm not sure why. Where a in the room with me. Ça fait une référence à Sister Location avec Circus Baby. Ensuite, nous avons la maison de Bonnie. Donc, sa photo, elle est là. Par contre, Bonnie, il y a eu un gros problème, c'est que en live, il y a un creeper qui a explosé sa maison. Et d'ailleurs, je crois qu'il est encore un petit peu choqué, là. Hein. Il manque toujours un bloc, faudrait que je répare. Donc voilà, il s'était échappé et tout, c'était vraiment n'importe quoi. Enfin, bref. Ok, ici, nous avons la maison des fantômes. Bon, elle est pas décorée, du coup, ils ont pas de photos à eux, mais ouais, ça viendra. Et la maison de la Nightmare Puppet. Elle a plein de photos. Elle a les 4 photos que je vous ai montrées en haut, et elle en a ici. Voilà, du coup, pour toutes les photos des animatroniques. Maintenant, c'est parti, on va faire spawn un nouvel animatronique. Et aussi la tête, je sais pas quoi en faire, j'ai réussi à la faire sortir. Attends, où est-ce qu'elle est? Elle est là, regardez. J'ai réussi à la faire sortir de la mairie, mais il faudra que je fasse attention, que je me rappelle qu'elle est dans les parages, parce qu'elle, elle est pas piégée. Donc peut-être qu'il faudra qu'on arrive à la mettre dans notre piège qui est devant chez nous. Voilà. Ah oui, j'ai mis Pingouin dans la mairie parce qu'il se promenait.
Il se promenait un petit peu partout. Un pingouin, oui. Voilà, ok, c'est parti. Du coup, retour vers la maison. Et on va voir qui est-ce qu'on fait spawn aujourd'hui. Donc, dans les commentaires, les plus demandés, ça a été Shadow Bonnie, encore une fois, Wizard Bonnie, Nightmare Freddy, Toy Bonnie, Vinny, Ryan, Toy Chica. Donc, écoutez, je vais faire une roue et on va tirer au sort parmi tous ces animatroniques. Et vous pouvez d'ores et déjà proposer dans les commentaires le prochain. Oui, enfin, dès que le tirage est fait, hein. Oui, bien sûr. Allez, c'est parti. Ok, du coup, j'ai mis toutes les propositions. Enfin, Wizard Bonnie, Nightmare Freddy, Toy Chica, Toy Bonnie, Vinny, Shadow Bonnie et Ryan. Donc, celles qui m'ont été le plus demandées. Et du coup, c'est parti, on va faire tourner la roue. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, allez, allez. Oh, pas Shadow Bonnie, pas Shadow Bonnie, pas Shadow Bonnie, pas Nightmare Freddy. Non, pas Shadow. Ok, du coup, c'est Ryan. Ok, bah, c'est parti. On va faire spawn Ryan. Alors, le problème, c'est qu'il fait déjà nuit, donc je vais dormir. Ah oui, aussi, j'ai changé la télé. Et maintenant, j'ai une télécommande. Voilà, regardez. On peut zapper. Normalement, je peux mettre un troisième programme télé, mais le problème, c'est que j'ai pas trouvé de GIF qui sont suffisamment petits et qui fonctionnent sur la télé. En fait, c'est pas facile à voir fonctionner, mais ouais, voilà. Ok, c'est parti. Du coup, on va faire spawn Ryan. On va le mettre par ici, devant le village, c'est bien. Ryan. Ah. C'est ça, Ryan. En fait, c'est Fredbear, mais... Tout... Ah, mais c'est horrible ce truc. Mais pourquoi vous m'avez mis ça? Regardez, il a un yeux qui sort de son orbite. Il lui manque une oreille et tout, mais c'est horrible. Normalement, Fredbear, moi, je l'adore. Oh mon Dieu, vous avez entendu ce qu'il a dit? Attends, lui, j'ai pas envie de le laisser en liberté. Il me fait trop peur. Il me fait trop peur. Tu vas aller dans un bateau direct. Je t'aime pas. On va l'emmener vers la prison de sécurité. Ah, mais regardez comment il bouge, c'est dégueulasse! Regardez! Mais c'est un film d'horreur, celui-là. Celui-là, c'est vraiment un film d'horreur. Purée. Je vais le transporter auprès de la prison de sécurité, parce que là, je... Que ce soit... Oh mon Dieu, il est... Oh, mais ça m'écœure, en fait, comment il marche, j'aime pas! Il est horrible, il est horrible. Normalement, Fredbear, il est trop mignon, c'est un de mes préférés, mais là, il est vraiment horrible, celui-là. On va le mettre par là. Vous avez vu, en plus, il fait... Il fait des cris horribles. Mais vraiment, c'est un des pires, celui-là. Franchement, je me plaignais de Springtrap et tout. Non, Springtrap, il est quand même horrible. Ah oui, aussi, ici, on a mis un scanner. C'est bien. Springtrap, en vrai... Non, attends. Est-ce que... Attendez, attendez, attendez. Parce que là, j'ai l'impression que Springtrap... Non, si, il est horrible quand même. Non, si, oui, quand même, quand même. Quand même, il est horrible, mais là, Springtrap, je le trouve un petit peu moins horrible que lui, que Ryan. Parce que... Vraiment, là, Ryan... Ah, j'aime pas, hein. Je préfère le laisser dans le bateau, parce que franchement, là, j'ai trop peur qu'il me court après et tout. Vous avez vu comment il court? Ça... Ah, c'est dégueu. Et en plus, son cri, là, il dit... Help me! Ça fait trop peur. Qui c'est qui est enfermé dans Ryan, si vous savez, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires pour l'histoire de FNAF. Oui, merci. Bon, bah écoutez, Ryan, tu vas rester ici, mais faut vite qu'on l'enferme dans la prison de sécurité. Hein. Bon, écoutez, en attendant, on va du coup designer la maison de Spring Bonnie. Ah oui, aussi, dans la précédente vidéo, vous m'avez dit de faire un musée avec tous les fanarts de mes abonnés. Franchement, je préfère qu'on change de temps en temps les fanarts qu'il y a affichés dans mon bureau plutôt qu'on fasse tout un musée, parce que j'ai peur qu'avec tous les cadres, ça lague. Donc ouais, je pense que ce serait mieux, enfin c'est quand même mieux qu'on change ceux qui sont ici. Bah du coup, je vais commencer à changer les fanarts, et ensuite, on ira faire le design sur ma map solo créative de la maison de Spring Bonnie. C'est parti. Pour les fanarts, voilà, j'ai changé. Donc voilà, les fanarts que j'ai mis, oui. Si vous voulez m'en envoyer, bah... Vous pouvez le faire, c'est sur mon Discord dans le canal Média. Et si toutefois vous n'avez pas du tout accès à Discord, vous pouvez le faire sur mon mail pro, exceptionnellement flanipro@gmail.com. Voilà.
Merci à tous. J'adore vos fanarts, c'est trop mignon. Oui, j'adore. Ok, du coup, me voici sur ma map solo. Je suis avec Spring Bonnie. Bonjour Spring Bonnie, comment tu vas? Ça va bien, oui. Bon, du coup, on va essayer de lui designer sa maison. Est-ce qu'on l'a fait en concrete jaune? Fais voir ta couleur par rapport. Oh non, c'est trop clair pour toi, ça. Faut la faire plutôt en sandstone, en fait, non? Ah, c'est trop clair. Et l'autre, c'est trop foncé. Terracotta, fais voir. En plus, j'en ai plein de la terracotta à la maison. Écoutez, je crois qu'on va pas avoir 36 000 solutions. Pas facile, hein. Peut-être pour les zones plus sombres, on va prendre ça. Parce que, vous voyez, il a des zones plus sombres. Pour l'espèce de museau, on va faire une base de 5. Comme ça, on monte de 1. Ensuite, attends, on va mettre 1 sur le côté, comme ça. Là, on va se décaler de 1. Ensuite, il va falloir faire ses dents. Tac, donc là, en fait, c'est la mâchoire. Après, on refait une couche comme ça. Là, concrete plus clair. Voilà, donc la concrete noire, on va la mettre comme ça. Ensuite, va falloir qu'on s'occupe des côtés. Donc sur les côtés, on va mettre 2 comme ça. Et ensuite, on va mettre hop, du jaune ici. Donc là, ça donne ça. Donc là, c'est tout le bas, en fait, de la tête. Maintenant, on va passer aux yeux. Voilà pour les yeux. Alors, pour les yeux, il y a quand même du blanc et du vert dedans. Donc je vais essayer d'en mettre comme ça. Ah ouais, les slime balls, c'est vraiment pas mal hein, pour faire les yeux. J'adore. Bon, maintenant, on va faire ses oreilles. Ça fait comme ça. Hop. De la concrete. Donc, on va en mettre 2. Voilà. On va faire comme ça. Et on va faire une oreille pliée aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des ficelles. Donc, des fils d'araignée. On va les mettre comme ça. Voilà. Comme ça, on peut mettre, vous voyez, la poudre. Hop. Et voilà, ça fait une oreille pliée. Voilà du coup pour la maison de Spring Bonnie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai essayé de faire au mieux avec les blocs que j'ai. C'est pas forcément super simple, mais bon, je trouve qu'elle est plutôt réussie. Elle ressemble quand même pas mal à la maison de Bonnie. Du coup, c'est parti, je vais aller farmer et tout sur ma survie pour avoir bah, tous ces blocs et reproduire la maison. Let's go. Ok, je suis de retour du coup sur ma survie. Je suis en train de préparer, vous voyez, pour faire la concrete jaune, tout ça. Le problème, c'est que il fait nuit. Surtout, il y a la tête dehors et il y a bah, Ryan. Vous savez qu'il est dans le bateau, là. J'en ai très très peur de ce Ryan. Bah, au moins, du fait qu'il soit dans le bateau, franchement, j'ai moins peur. Il sera en liberté, là, je crois que je passerai la nuit direct. Aussi, il faut qu'on pense à réparer le museau de notre pauvre petit Bonnie, parce qu'il est toujours un petit peu abîmé. Par contre, il a l'air de s'en être remis. Il s'est remis à la place où il était avant, donc... super. Ok, bon bah je vais... Oh, oh, oh my god. Mais non, mais je suis tellement maladroite. Flanou. Oh. Comment je vais re-rentrer sans qu'elle me tue la tête? Attends. Go, 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 go. Ok, c'est bon, elle m'a pas vu la tête. Nice. Alors, ici j'ai une table de craft, c'est parfait. Comme ça, on va pouvoir faire les colorants. Et tout ça, oui. Ok, du coup c'est bon, j'ai crafté toute ma concrete. Maintenant il va falloir que j'arrive à retourner. Normalement si je me dépêche et je prends la porte, c'est bon. Ok, vous êtes prêts? C'est l'heure de la mission. Faut pas qu'on se fasse repérer par la tête. Ok, attention. Parce qu'elle est par là-bas. 3, 2, 1, go! Go, 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 flanou, go, go, go. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouh, ça s'est mieux passé que ce que je pensais, franchement. Je vous avoue que j'étais pas forcément très optimiste. Donc super. Ah, j'ai fui mes problèmes. Ok, c'est bon. Donc là, je pense que j'ai largement suffisamment de concrete. Maintenant, il va me falloir ma terracotta jaune. Il fait bien jour, là. Hein. Et la maison, du coup, de Spring Bonnie, on va la faire par ici. Voilà, donc c'est parfait. Ça laisse assez de place pour passer entre les deux maisons. C'est vraiment super. Coucou, araignée. Oui, nickel. Ok, bon bah écoutez, on se retrouve quand j'ai terminé la maison. 2 hours later. Oh non. Bon, là j'ai terminé une bonne partie de la reproduction de la maison de Spring Bonnie. Il manquera les oreilles et les yeux. Par contre, j'ai un petit hurluberlu là, qui est en train de... qui est en bas. Donc, il va falloir faire attention. J'ai essayé de faire les oreilles. Je sais pas où il est. Je la vois. Ah si, je la vois. Bon. Écoutez, je suis plutôt en mauvaise posture là, donc je vais descendre un petit peu de l'oreille. Hop, on va essayer de descendre là. Aïe. Peut-être essayer d'emmener la tête dans le piège. Elle est où?
Elle est où? Je la vois pas. Alors attends, go. Elle me suit, je la vois sur la... Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre dans l'eau. Et ensuite, on va essayer de la faire venir dans le piège. Mais elle est super grande, la tête, donc j'espère que ça va marcher. Ok, elle me suit ou pas? Elle me suit plus. Oh non, je déteste ça. Ouh! Elle est là. La tête! Viens, la tête, viens! Ok, tout va bien. Flanou, panique pas. Panique pas, Flanou, ne panique pas. Ok, on attire la tête. Non, qu'est-ce qu'elle fait? Oula, mais c'est qu'elle est intelligente, elle! Ok, donc là, on l'attire doucement. Doucement. Les autres animatroniques, ils font pas ça. Hein. Ok. Et là, on va aller tout droit. Ok, elle arrive. Ok. Let's go, Flanou. On se concentre. Oh, let's go, elle est tombée la tête. Oui. Oh, je suis trop heureuse. Oh, alors là, je suis trop contente. Attends, oui. Hop, on ferme un petit peu. Oh là, c'est vraiment trop bien, on a capturé la tête. Let's go. Ok, je rentre chez moi. On va aller dormir et on finit la maison de Spring Bonnie demain. Et ensuite, bah, faudra que je le mette dedans, ouais. Ok, c'est bon, nous voilà le petit matin. Hier soir, j'ai capturé la tête, je suis trop heureuse. Vraiment, elle me saoulait cette tête. Et toi, tu vas bientôt avoir ta maison, oui. Faudra que je pense à mettre une caméra et tout ça dedans. Je crois qu'il m'en reste pas mal en plus des caméras. Ils sont dans mon autre salle des coffres. Ok, allez, on finit ça. Attends, j'ai vu un truc bouger là. Ah, c'est un Enderman. Ouf, purée, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était une pupette. Non mais vraiment, sur Ifnaf, rien ne va. Viens là, Enderman. Viens là. Je croyais que t'étais pupette. Aïe, mais c'est que... C'est que les violents, celui-là. Dis donc. Faut pas ça, Flanou. Merci pour la perle. Later. Du coup, voilà où j'en suis pour la maison de Spring Bonnie. Il manquera encore les cadres et les petits yeux. J'ai prévu pour ça du colorant vert. Mais maintenant, on va aller le mettre dans sa maison. C'est parti. Alors, oui. Par contre, il fait bientôt nuit, donc il va falloir que je fasse super attention. On va peut-être attendre demain matin, hein, ouais, parce que maintenant, j'ai une grosse tête en plus là-dedans. Ça craint un peu. Ok. Bon, bah écoutez, je vais dormir et on se retrouve demain matin pour... pour mettre Spring Bonnie dans sa maison. Let's go. Alors, faut que je pousse la tête d'abord, parce que la tête, ça va poser problème. Spring Bonnie, je le pousse par là. Voilà. Allez. Ah mince, j'ai pas mis le batois, c'est prêt, attends. Voilà. Normalement, là, il peut rentrer dedans. Ok, nickel. Donc maintenant, je vais garer... Non ! Ah ! C'est vrai que j'ai pas mon permis bateau, moi. Ok, on gare le bateau bien là. Ensuite... On ferme ici pour éviter qu'ils reviennent de ce côté-là. Ensuite, on le rapproche. Voilà. Yes! Ok, nickel. On y va! Let's go! Voilà. Par contre, il va peut-être falloir que je casse un peu la porte parce que je crois qu'il est trop grand pour passer. Heureusement, ça casse pas toute la concrete parce que... Oh, il y avait un squelette ici. Rentre! Rentre dans ta maison, petit... Petit grand. Voilà! Ah, trop bien. Ok, du coup, j'ai ajouté aussi des fenêtres. Je sais plus si je vous ai montré ça. Non, je vous ai pas montré, je crois. J'ai ajouté des fenêtres pour qu'on puisse voir un peu plus clair. Et puis, après, il faudra que j'aménage sa maison. Peut-être, du coup, que je serai en live dimanche sur ma survie FNAF à partir de 16h. Je sais pas trop encore, donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour être informé dès que je sors un nouvel épisode et que je passe en live. Yes. En attendant, du coup, dites-moi ce que vous avez pensé de la maison de Spring Bonnie. Quel animatronique voulez-vous que je mette au prochain épisode? Et oui, super important ça. Et on se laisse ici et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures de FNAF. Oui, plein de bisous et à très vite. Bye bye. Énorme merci aux membres de la chaîne pour leur soutien. Kagunia, Sovnap, Toony Jumping et Takumi. Si vous voulez devenir membre, vous cliquez sur le bouton rejoindre et vous avez toutes les informations. Allez, on se retrouve très vite. Bisous. Bye bye. Bye.